Et bonjour Renaud, voici Serge. Donc, je suis venu voir cette Pontiac Firebird Formula 77. Et écoute, il n'y a pas de miracle, hein, c'est un peu comme je l'avais expliqué, hein, c'est la voiture reflète son prix. Donc elle a actuellement un problème de démarreur, on le savait. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que dans l'annonce précédente, le vendeur avait déjà mentionné qu'il avait remplacé le démarreur. Et donc voilà, j'ai pas réalisé que dans la deuxième annonce, le même démarreur était déjà cassé. Donc effectivement, j'ai parlé avec lui et il y a un problème de démarreur, mais un peu et au-delà du démarreur. Hein, donc puisque il a eu ce problème depuis, il m'a dit les deux ans pendant lesquels il a possédé la voiture. Donc peut-être lié à un problème de démarreur aussi. Le démarreur n'est pas branché correctement, hein, au volant. On y met la clé, on tourne la clé, et ensuite il faut pousser sur un bouton sous le tableau de bord pour démarrer la voiture. Hein. Donc là aussi il y a eu une réparation de fortune. Donc il est possible que ce soit lié. Donc il est possible que ce soit un problème électrique. Ajouté ou qui provoque le problème de démarreur. Donc voilà, peut-être pas grand chose finalement, quoi, mais il ne s'agit pas simplement de remplacer le démarreur. Au-delà de ça, donc du coup, on ne l'a pas démarré parce qu'il a peur d'abîmer de flywheel, comme on appelle ça, la roue dentée, tu sais. Et j'ai pas voulu insister non plus dans la mesure où. Le reste de la voiture, bien sûr, n'est pas très, très, très engageant, quoi. Donc j'ai préféré lui dire, écoutez, je reviendrai éventuellement si mon client veut en savoir plus ou s'il est intéressé par la voiture, quoi, hein. Ce qui est normal, quoi. Voilà, donc deux mots de la voiture. L'intérieur n'est pas très beau. Tout a été badigeonné en blanc, peinture lurée en blanc, les panneaux de porte, jusqu'au volant lui-même. Donc c'est assez laid. Le tableau de bord, donc évidemment c'est une vilaine peinture, hein. Et la console centrale, les sièges sont abîmés, on voit ici, c'est des sièges qu'il a remplacé, qu'il a trouvé en remplacement de ceux qui étaient sur la voiture quand il l'a acheté. Ils ont une jolie forme, quoi, hein, mais donc qui serait à refaire, quoi, hein. Et en plus le motif, disons, ne correspond pas avec celui de l'arrière, quoi. Donc ouais, c'est un peu dommage. Voilà, la cascade de tableau de bord est craquelée, on le savait, ça, il nous l'avait dit. Voilà, après, j'ai pas cherché vraiment à en savoir plus. J'ai soulevé un petit peu la moquette ici, et c'est pas très beau ce qu'il y a en dessous, on voit pas mal de choucroute. Comme tu vois ici, c'est pas engageant, quoi, hein. Une vilaine peinture blanche a été badigeonnée. Enfin, bref, quoi. Voilà, écoute, tu vois, c'est ce que je te l'avais dit, hein. Il n'y a pas de miracle. Attention, hein, c'est une voiture à 3 700 $. Il n'y a pas grand-chose à dire, malgré tout, hein, parce que la caisse, dans l'ensemble, paraît bien, les vitres sont... tout est présent, elles ne sont pas fêlées, elles ne sont pas craquées. Encore une fois, La caisse présente pas mal, la voiture est très sale, mais une fois nettoyée, je suis sûr qu'elle a un bel aspect. Elle a de très beaux pneus, elle a de belles jantes. Elle a pris un coup le long de la porte passager ici, qu'il faut adresser, bien sûr. Mais voilà, hein, un pare-brise, donc, comme je le disais, qui est en très bon état, en fait. Et voilà, donc un moteur, c'est un 6 litres 6, hein, c'est le 403, c'est un moteur de Transam, donc c'est pas le moteur d'origine. La voiture est équipée de direction assistée, freinage assisté, disque à l'avant. Les pare-chocs avant-arrière sont en bon état, les optiques aussi. En tous les cas, certainement une bonne base de restauration. Tiens, j'avais pas vu un détail, c'est que les roues... Ah si, c'est les mêmes. J'avais cru que... Elles sont jolies d'ailleurs, hein. C'est des cragards. À mon avis, c'est vraiment des roues d'époque, hein, Kragar, mais qui ne ressemblent en rien à ce que Kragar fait aujourd'hui. De beaux pneumatiques, hein, des BF Goodrich. Donc, pour 3 700 $, il n'y a rien à dire. Ils y sont, sans aucun doute. Hein. En espérant que le problème des démarreurs soit pas un gros problème, qui ne devrait pas l'être. Enfin, voilà. Ce qui, donc...
Ce qui m'a pas plu dans cette voiture, avant tout, comme je le disais, c'est l'intérieur qui doit être refait. Encore une fois, un intérieur, non, c'est pas non plus, ça coûte pas non plus une fortune. Je sais pas dans quelle mesure on peut trouver des pièces de remplacement pour des intérieurs de Firebird 77. Ça doit pas être impossible, mais tout est là, hein, finalement. Les compteurs sont tous présents. On sait qu'il me l'avait dit, hein, il y en a deux ou trois qui ne fonctionnent pas. Température d'eau, il me semble, le plus un autre, la jauge d'essence peut-être, je ne sais plus. Et qu'est-ce qu'il m'avait dit aussi, la ventilation du chauffage ne fonctionne pas. Donc, des problèmes électriques, hein, c'est sûr. Le ciel de toit est neuf, il n'est pas très très beau, je ne sais pas. Où. Voilà, là-bas, il manque le cache comme celui-ci là, pour les ceintures de sécurité. Voilà, écoute, ben, je pense que tu auras cerné la chose. Voilà, je pense que je ne vais pas m'attarder trop, je vais prendre 4-5 photos comme ça vite fait en partant, mais bon, parce que je suis pratiquement persuadé que ce n'est pas le modèle que tu cherches, mais voilà, que ça nous sert de leçon pour la prochaine éventuellement. Voilà, Bruno, à bientôt, merci.